Hey yo, salut les amis, c'est Mercos. On se retrouve pour une petite vidéo, le 9e épisode de l'objectif Star-Lord. Donc ça va être le dernier avant un petit moment, tout simplement j'ai décidé de stocker un petit peu. Donc on reviendra un peu plus tard, en espérant que ce soit le dernier épisode à la base. On va tenter ça tranquillement, on a un petit 4 étoiles à open. J'ai un petit peu stocké ce week-end. Et voilà, donc j'ai réussi hier ce matin, en finissant tout ce que j'avais à faire, à obtenir les éclats qui me manquaient. Allez, c'est parti, prions, allez, let's go. Si j'ai pas SL, l'objectif c'est doubler Soso ou doubler Vaudou. Ah, je double mon fauve. Bon, c'est pas si mal, franchement, je l'avais toujours pas doublé, donc je suis assez content. On va bien voir, je ne connais pas sa compétence d'éveil. Écoutez, on va aller voir, moi j'aime bien. Déjà quand même, bon c'est toujours pas mon Star-Lord, hein. Vous êtes au courant à force. Mais je suis assez satisfait de qu'on chope le fauve, enfin que j'éveille mon fauve. On va aller voir si niveau IP il a bien grimpé. Ouh, il a dépassé les 3000, ça fait plaisir, déjà. Allez. Combo à la chaîne. Alors, lorsqu'en mode de combat freestyle, effectuez un combo coup moyen suivi de coup léger, léger, léger et moyen, inflige 132 de dégâts directs par coup. Complétez parfaitement un combo freestyle, augmente le taux de coup critique du fauve de 100 pendant 5 secondes. Ok. Lorsqu'en mode de combat acrobatique, bloquez une attaque suivie d'un combo moyen, léger, léger, moyen, régénère 101 points de santé par mouvement. Ah, ça veut dire que ça, on peut choper une régène en mode acrobatique. Complétez parfaitement un combo acrobatique, réduit le pouvoir des adversaires de 50% lorsqu'il encaisse un coup et lorsqu'il attaque pendant 5 secondes. D'accord. Rater un combo causera un délai de 5 secondes avant que vous ne puissiez entamer un nouveau combo. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller tester ça, clairement. Je ne sais pas du tout, je ne comprends pas très très bien. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on... Le fauve, contre qui on peut aller tester ça? On va aller essayer ça contre Flopper, contre le Falcon de Flopper, ok. C'est vraiment un test. Parce que là, je comprends pas exactement. Faut vraiment enchaîner des combos spécifiques, en fait. Donc, faut commencer, faut faire combo moyen, léger, 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 moyen. Et on augmente notre taux de critique, si j'ai bien compris. Ah, là, on a réussi le combo, du coup. Ok. Et là, je l'ai réussi. D'accord, ça y est, du coup, j'ai compris. Ok. Ah oui, donc, quand on peut faire les combos, donc en mode freestyle, en mode acrobatique, il faut vraiment faire les combos spécifiques. D'accord. Ah, du coup, j'ai compris. Après, est-ce que l'utilité sera vraiment OP? Je ne suis pas convaincu. Voilà, que ça serve réellement, parce que c'est pas... ces combos qui nous permettront réellement de, on va dire, de changer le game. Mais bon, c'est toujours un nouveau 4 étoiles éveillé, moi j'en suis assez content, ça augmente, là j'étais à 24 sur 51 je crois, du coup ça me fait 25 sur 51, c'est toujours ça de prix. Et voilà. Bon bah sur ce les amis, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à tout à l'heure pour le début du VS Flèche Noire Round 2. Allez, ciao, bye bye les amis.